Bonjour mes chéris, d'ici, d'Albi, de Lyon, du Canada, de partout, de Clermont-Ferrand, de partout ailleurs aussi, au Vietnam. Là on est fin de matinée ce lundi et je prends la route en direction de Figeac et ce soir je m'arrête à Aurillac. Donc tranquillement, voilà. Il fait super beau. Merci de nous avoir donné du soleil. Dans le nord de Lyon, de partout, vous nous avez donné du soleil. Donc merci à vous. Donc là, je roule tranquillou. Je fais attention, il y a un radar. Ça va. Je suis à 90, c'est bon. Il n'y a pas de raison d'aller vite. J'ai le temps. Albi, c'était sympa. J'ai pas visité la ville. Ça, je sais pas, j'avais pas envie. Je me suis surtout baladée, j'ai pris mes repères, j'ai fait des petits bricolages dans Coquelicot, des petits aménagements. De toute façon, je crois qu'il y en aura pour très longtemps et c'est ça qui est sympa, d'aménager son camping-car et tout, c'est super sympa. Et là, j'ai une mission pour aujourd'hui, c'est trouver un bureau de poste. Parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai pas bien fait. Je me suis inscrite au courrier du voyageur et je n'ai pas le certificat de la banque postale, je ne sais pas quoi. Enfin bon, il faisait... 600 mètres, vous pouvez récupérer, prendre le deuxième sortie et continuer sur la 88. Ok. Donc, je vais... Je dois trouver un bureau de poste absolument pour confirmer la procuration de transfert, blablabla, etc. Et pouvoir faire des virements, enfin bon, c'est hyper compliqué, je m'y suis pas très très bien prise, je l'avoue. Du jour, parce que j'en ai un petit peu marre, mais avec les jours fériés, mais c'est pas simple non plus, c'est de trouver un bureau de poste et de finaliser mes papiers. Mais en tout cas, je prends quand même la direction de Figeac et Aurillac au final. J'étais sérieuse quand je vous remerciais par rapport au soleil, hein. Et là, vous m'envoyez plein de pluie d'un seul coup. Bon, ben, merci pour la pluie. C'est pour arroser la route, c'est pour arroser Coquelicot. Bon, ok. Ah là, c'est bien parti. Hein. Waouh. Ah, il y a des ciels bleus là-bas. Youhou. Non mais là c'est le gros orage, hein. Oh, waouh. Après la pluie, le soleil. Merci. Merci Madame Météo. Et bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va bien? Bon, je garde mes lunettes. Pas très poli, je sais bien, mais il y a beaucoup de soleil. Et voilà, Domino il est là aussi. Pour une fois, il n'est pas derrière moi, il est sur le siège côté passager parce qu'il a très chaud. Et j'ai mis un peu de clim. Chut, arrête. J'ai mis un peu de clim, comme ça il est un peu plus au frais que derrière moi. Là, j'ai trouvé un bureau de poste à Baraqueville. Et enfin, j'ai pu faire mes démarches, les démarches que je n'avais pas faites à la maison. Alors surtout, ne faites pas la même erreur que moi si vous partez longtemps. Transfert de courrier, le courrier du voyageur, souscrire avant partout. Bon, en plus, moi, je suis à la banque postale et j'ai eu le malheur de changer de numéro de téléphone portable. Alors tout est compliqué. Donc pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué à la poste et de partout de toute façon.
Bon, ça m'a permis de faire une pause à Barakville. Je vais aller regarder un petit peu alentour comment c'est. Et je vais continuer ma route du côté de Aurillac. Et oui, c'est là que j'ai rendez-vous avec Rissa pour je sais pas, voilà, avant la fin de la journée, quoi. Bon, et bien voilà, je suis bien rentrée de... Enfin, rentrée, bien grandement. Hier, de rassemblement. Ça s'est terminé hier soir, tranquille. Et finalement, j'ai réussi à vendre mon attelage. Je suis super contente. Même, bon, j'ai pas touché le prix que j'avais demandé. Le camping-cariste qu'il a acheté, il m'a demandé de me faire un prix parce qu'en fait, il a beaucoup de modifications à faire. C'est pas la même voie, lui c'est plus large, donc il faut qu'il demande complètement. Il demande complètement l'attelage pour adapter à son véhicule. Voilà. Ah, ok, ben, je lui fais un prix. Pas grave. Toujours est-il, moi je suis débarrassée, je suis bien contente, Foxy soulagée, allégée, voilà. Pardon. Et voilà. Tout va bien. C'est super agréable ces petites routes. En plus, il fait beau. Et oui, la pluie est partie. J'ai l'impression de me perdre, tu sais, en pleine campagne, sur des petites routes oubliées, alors que c'est complètement faux. Mais ça fait rien, c'est une sensation qui est bonne, excellente. Je ne sais pas du tout où je suis surtout à un endroit magnifique. Donc j'ai simplement eu envie de m'arrêter. J'ai réussi à trouver un tout petit endroit pour m'arrêter. Et je vais te faire voir pourquoi je me suis arrêtée. Simplement le plaisir des yeux et un petit peu des oreilles. Donc je suis arrêtée dans le petit bourg de Le Pont-Neuf. Joli, hein? Attends, on va aller voir de l'autre côté. De l'autre côté du pont. On va aller voir. Tu entends? Le doux son de l'Aveyron. Tu as vu où je me suis garée? Vraiment au bord de la route. Mais je ne gêne personne, donc tout va bien. Allez, Coquelicot, on va repartir. Je vais aller faire un petit tour à Belcastel. Ça m'avait l'air pas mal cet endroit. Beaucoup de pierres et là-bas au fond, on voit la tour de Belcastel, du beau château. C'est joli comme tout. Ah, je zoome vite, pardon. Le château. Vraiment mignon.
Et la mairie, bien sûr, dans le même style. Sympa. Très, très, très joli. Et là, ben, je reprends la route. Allez, en avant. Go, go, go. J'aurais vraiment eu tous les temps, la pluie, le soleil. Et là, maintenant, c'est tout gris. Madame Météo, t'es vraiment capricieuse. Autant je traverse des endroits qui sont jolis comme tout, mais alors il y en a certains, waouh. Prendre à gauche sur rue Kerad, 963. Ça donne pas. Donc là je suis sur la route, j'arrive à Villefranche de Rouergue, il me semble que c'est ça, ouais, Villefranche, entre Albi et Figeac. Elle est partie aussi, ben ça fait un moment qu'on est tous sur la route. Apparemment, on n'a pas pris le même chemin. Son GPS l'a envoyé par un autre chemin que moi, mais c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Chacune son GPS, chacune sa route, voilà. Et on se retrouve ce soir à côté d'Aurillac pour passer la nuit tranquillement. Voilà, Villefranche de Rouergue, voilà, nous y sommes là, et on se retrouve donc ce soir à côté d'Aurillac pour passer la nuit sur un parking Park for Night, et demain on continue tranquillement à Bercé, c'est à côté de Clermont-Ferrand, un peu au sud-ouest de Clermont-Ferrand, et parce que je vais aller rendre visite, faire bisous à une très bonne amie qui habite à Clermont. Et ensuite on continue notre chemin. Voilà. Donc là, là la route elle devient mauvaise là. Les voitures, les camions. Et moi je m'arrête pour filmer. Avec Chrissa, avant de partir, on se donne le point d'arrivée et finalement on se rend compte avec si peu de temps qu'on ne prend pas la même route alors qu'à la base on se le dit un peu quoi, voilà je vais passer par là, par là. Et finalement, jamais on prend la même route. C'est pas la destination qui est importante, c'est la route.
Et voilà. Nous sommes arrivées toutes les deux. Krissa avec Foxy et Domino. Moi avec Coquelicot et Cassie, bien sûr, que l'on ne voit pas. Moi, je me suis garée en travers. Hein. J'avais envie d'avoir une belle terrasse. Ça y est. Bon, on est arrivés. On est arrivés. Un petit peu fatigués toutes les deux. Ouais. Ce soir, un petit peu fatigués. Ouais. On vous dit quoi? Bonne soirée. Ben voilà. Et puis, à demain. Voilà. À la prochaine. Moi, j'ai envie que d'une chose, c'est d'une douche. Moi, j'ai faim. Voilà, l'échelle de valeur n'est pas la mienne, mais bon. Manger. Moi, j'ai sous la douche et toi, tu vas faire miam miam. Oh, oui. Bon, un coup. Salut, mes chéris. Bisous, à la prochaine.